we are in a country where for more than 50 years you had a single portrait in the streets, the portrait of the ruler. We can have a look actually of at a small face that you see on the building there. Part of the project is that we will be replacing this face by faces of Tunisians. They were always seeing pictures of all the presidents and all the dictators that we had in Tunisia. Now, I mean, the message would be like, oh, it's not that anymore. It's people, it's Tunisians, it's us. Just 2 seconds, there is a girl who have a nice face. If she takes the same way of us, I follow her. Okay, go there. La première journée, j'étais assez tendu et je n'ai pas pu avoir un portrait. J'ai abordé une quinzaine de personnes, j'ai visité trois quartiers et toutes les personnes que j'ai croisées ont dit non, pas de portrait. Mais une fois que c'est lancé, ça, on n'arrête plus en fait. So we have the chance to shoot our own photography and be part of this huge project. We have to shoot people in the streets that we don't know. And to play with them, to share what you feel. This is a challenge. Do you see this one? It's good, no? Aslan, je suis photographe. On est en train de faire 100 portraits de Tunisiens. Est-ce que ça vous intéresse? Ça prend 3 minutes de faire un portrait. We took pictures of everybody. And we had to talk to people and to listen to them and to listen to their stories. And it's great because you see how people are and how they really are. And we met really amazing people. Not nice, but amazing people. Project led by local people, done by local artists, posted by local volunteers, and have the know-how that was built by JR and the ideas that were nurtured with the whole team being brought and shared with other people. T'es content du... Ouais, je suis super content. Bah ça, ce qui est génial, c'est que vous avez exactement capté. Finalement, c'est un mix de travail vraiment professionnel et amateur, mais c'est ce que je cherchais, quoi. C'est ce que j'avais espéré qu'il se passe, quoi. C'est-à-dire vraiment que ça soit vos photos. C'est juste, on essaie de mettre une règle pour le projet, que ça soit des portraits et qu'il y ait quelque chose qui se dégage. Et là, on l'avait dans tous les portraits. Il y avait à chaque fois un rire, une expression. De toute façon, il y avait à chaque fois une émotion. Exactement. Un contact humain extraordinaire. Hein. Ah, c'est cool. Bah, surtout, vous êtes les premiers d'un grand projet qui... va traverser les frontières. Là, il y a des gens qui ont commencé à uploader sur le site. Vous avez commencé avant même que le site soit complètement fini. Et là, maintenant, on a eu en une semaine 10 000 photos. Non. Ouais. Wow. Ouais, qu'il faut qu'on imprime et tout. Donc, vos photos sont les premières à imprimer de tout le projet. On va essayer de faire un maximum de collages. Donc, vous êtes chaud déjà pour coller. Mais j'ai hâte de savoir quels sont les lieux, en fait. Il y a aussi quels sont les lieux symboliques pour vous. Il n'y a pas de règle finalement. D'un coup, vous marcherez dans la rue et vous verrez que des spots. Et justement, cet endroit où il y avait le portrait de Ben Ali, il y en a plein d'autres comme ça sur le chemin.
Ça, je trouve ça fort parce qu'en fait, lui, il avait chopé les meilleurs endroits quand il pense. Au moins, il nous a facilité le boulot sur un truc, c'est le repérage des murs, quoi. C'est ça, ça fait gagner du temps, quoi. On va aller vers le fameux mur de Monsieur Big Ben Ali. On voit d'ailleurs encore les petits vestiges du portrait. Et c'est là où on va accrocher tous les portraits des Tunisiens. Donc enfin, à la place de Ben Ali, on va avoir le collage de la mosaïque de Tunisiens. Donc à la place d'une personne, il va y avoir les Tunisiens. Et c'est une sorte de remplacement du roi par le peuple, j'imagine. Au début, je n'ai pas pu savoir ce que vous êtes en train de faire, de coller les images partout sur les murs. Mais après, quand je vous ai posé la question, j'ai trouvé que c'est vraiment quelque chose de très fabuleux parce que de voir des milliers de gens, des centaines de gens qu'on ne connaît pas, ce n'est pas des stars ni des journalistes, ce sont des gens comme nous. C'est vrai, on n'a pas ni le même visage, ni les mêmes caractères, mais après tout, on est tous des humains. Comme les catholiques, les musulmans, les juifs, on est tous des humains. C'est pas le même visage, mais c'est le même peuple. Attends, il faut couper les amis, vous avez quoi les sans couper ? Je suis vraiment très reconnaissant à ceux qui ont chapeauté cette expérience. C'est formidable que le Tunisien puisse se retrouver à travers ces photos-là. Et là, on est Tunisien. Il n'y a plus de ce culte du moi, une seule photo qui obsède tous les Tunisiens, qui se trouve un peu partout dans les administrations, même si on n'en est pas convaincu avant. Maintenant, c'est vraiment là, c'est le peuple, c'est toutes les catégories sociales qui sont représentées. Là, on se retrouve, là, on est Tunisien. Alors attends, on va partir de la ministre. On va tout seul. Cliquez avec moi. Cliquez avec moi. Oh là, la grande. Ouais. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais rentrer à la maison aujourd'hui bourrée de code. Et quand ils vont me poser la question, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je vais leur répondre. J'étais en train de faire quelque chose pour mon peuple.
يا اما نحط لا تصور بتاع 10 مليون وانسى والا وفي بلو دي كولاج نو